Ben, comme vous le savez, l'idée c'est de parler du vin au naturel. J'ai donné le nom au vin au naturel au livre que j'ai fait sur le sujet. C'est volontairement, c'était pour ne pas lire exactement vin naturel qui avait, aurait eu donné une impression un peu trop affirmative. Il y a un peu d'humour dans le titre naturel, ça fait penser au ton au naturel, mais ça veut simplement dire, comme pour le ton, il n'y a pas, on rajoute rien, il n'y a pas d'adjuvant, c'est la chose telle qu'en elle-même. Et s'agissant du vin, la chose telle qu'en elle-même, eh bien, c'est du jus de raisin fermenté, c'est d'ailleurs la définition légale du vin. La définition de l'EIV, comment ça s'appelle, l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Voilà, c'est-à-dire que quand on a dit que le vin c'était du jus de raisin fermenté, on a juste parlé comme ça de cette boisson particulière. Il se trouve que en France, et à l'image de la France dans la plupart des pays, on a un système d'appellation. D'appellation d'origine contrôlée. Et le mot origine n'est pas un mot qui est sans importance. Ça veut dire qu'on a pensé que le terroir, l'endroit où était cultivée la vigne, avait une certaine importance. C'est-à-dire que là, ce n'était pas comme ici. Parce que la notion de terroir est une notion large. Bien sûr, ça commence avec le sol. La nature du sol, plus ou moins calcaire, plus ou moins argileuse, volcanique, sableuse, etc., etc. Mais il y a aussi une question d'exposition, de pente, de soleil, de vent, d'eau. Et puis au milieu de tout ça, il y a quand même un élément qui fait partie du terroir, qui est l'homme, le vigneron, celui qui va faire que ce terrain-là va porter de la vigne d'une certaine façon, où il va faire des choix, et notamment en fonction de tout ce que je viens de dire du sol et de l'environnement, va faire des choix dans ses cépagements. Tout ça se faisant évidemment à travers le temps, à travers l'histoire, à travers un certain nombre de sélections. En se disant que ça marche mieux, que un cépage marche mieux qu'un autre, et ça s'est fait progressivement. Il y a une époque où on trouvait beaucoup, beaucoup de cépages plus ou moins mélangés dans toutes sortes d'appellations. Donc voilà, on s'est rendu compte que le terroir était un critère important. Donc ça veut dire que c'est pas simplement du jus de raisin fermenté, c'est un peu plus que ça. La vigne, ça d'abord, ça a besoin, comme tout le monde, de tous les éléments qui se trouvent dans l'atmosphère, bah, l'oxygène, le carbone, l'azote, et le quatrième, c'est quoi? L'hydrogène, non, c'est ça. Voilà. Et puis, d'autre part, a besoin d'énormes, ça, c'est les éléments vitaux, indispensables à la vie en général, et notamment à la vie des plantes. Et puis, la vigne a aussi besoin des éléments du sol, de la matière minérale et de la matière organique. Cette matière organique et cette matière minérale, elles sont travaillées par une foule de micro-organismes. Quand je dis une foule, ce n'est pas juste une formule. Dans un sol vivant, et on verra tout à l'heure ce que veut dire, ce qui se cache derrière le mot vivant, et inversement derrière le mot sol mort, ça vous devez en connaître, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en rencontrer. On considère que dans un sol très vivant, qu'il y a à peu près 1 milliard de micro-organismes dans 1 gramme de sol. 1 milliard de micro-organismes dans 1 gramme de sol. Dans le meilleur des cas, bien entendu, il y a des endroits où ce n'est pas le cas. Et puis il y a aussi des animaux, une faune, et la principale, la plus importante, les ingénieurs du sol, qui sont les vers de terre. Et là, ça peut varier entre 2 et 4 tonnes à l'hectare. Je vous rappelle que les vers de terre, c'est la population vivante la plus importante de la planète. Il y a plus de, en poids, il y a plus de vers de terre sur la planète que d'êtres humains. Il faut dire qu'eux, ils ne se détruisent pas, alors que nous, oui. Bon. Voilà. Donc, tout ça, c'est extrêmement important parce que
les éléments qui sont dans le sol ne sont pas directement assimilables par la plante. Les racines plongent, mais elles ont besoin de quelque chose qui fasse interface entre les éléments minéraux et organiques du sol. Et ce sont ces micro-organismes qui vont rendre assimilables les éléments du sol par la plante, à travers le système racinaire qui est très important. Il y a les racines principales, mais il y a toutes sortes, tout un, ce qu'on appelle un chevelu. Par exemple, un pied de blé, si on met tout bout à bout, c'est à peu près 200 km de racines et de chevelus. Donc une capacité extraordinaire à aller prendre les substances qui ont été rendues assimilables par les micro-organismes dont je viens de parler. Donc, quand la viticulture, enfin l'agriculture en général, au tournant, disons, à partir du 19e siècle, a commencé à. Parce que l'industrie pointait son nez et l'industrie a commencé à mettre sa patte aussi sur les productions agricoles. Mettre sa patte, ça voulait dire augmenter les rendements, faire baisser les coûts, enfin le principe habituel de ce type de production dans ce type de système économique. Celui qu'on connaît toujours. Et donc sont arrivés les engrais au milieu du 19e siècle, ce cher monsieur Liebig. Effectivement, les rendements ont considérablement augmenté. Et puis, plus tard, sont arrivés, alors beaucoup plus tard, au XXe siècle, sont arrivés les désherbants. Là, on est juste dans l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale. Mais entre-temps, il y avait quand même eu un certain nombre de gens qui s'intéressaient à l'agriculture, qui se rendaient bien compte que c'est quelque chose qui ne collait pas, quoi. Y compris, par exemple, des gros propriétaires terriens en Allemagne, au début des années 20, qui utilisent bien entendu tous les engrais, enfin, tout ce que propose l'industrie pour la production agricole. Ils ne sont pas vraiment contents des résultats, ils font surtout des patates et des céréales. Et ils ont l'idée de demander à quelqu'un qui a une certaine réputation de bonhomme qui réfléchit à toutes les questions, il s'appelle Rudolf Steiner, de venir enfin leur parler de tout ça. Ce n'était pas du tout un spécialiste de l'agriculture, mais par contre, c'est quelqu'un qui avait une certaine réflexion sur ce que c'est que l'activité humaine à l'intérieur non seulement de l'univers environnant, mais même du cosmos. Et il a donc fait ce qui, après, s'est appelé cours aux agriculteurs, qui constitue la base théorique de ce qu'on a appelé la biodynamie. Le mot biodynamie est assez clair en lui-même. Bio, c'est évidemment l'idée de la vie, et dynamie, c'est l'idée de favoriser une activité vivante. Avant ça, il y avait déjà des gens qui s'étaient posé des questions, notamment un Anglais, Howard, qui travaillait comme ingénieur agricole en Inde. À l'époque, l'Inde était une colonie anglaise. L'Angleterre était un vieux pays, le vieux pays de l'industrialisation, des pionniers, donc ils étaient aussi pionniers dans l'industrialisation de l'agriculture. Quand il est arrivé en Inde, qu'il a vu comment travaillaient de façon traditionnelle les paysans indiens, il s'est dit, ils sont un peu moins cons que nous quand même, et il a puisé énormément de choses pour écrire probablement un des premiers grands ouvrages sur une agriculture qui serait respectueuse du sol, de la plante, et puis aussi de ceux qui consomment, parce qu'au bout de la chaîne, il y a nous. Il y a eu aussi un certain nombre de gens comme ça en Allemagne, essentiellement dans les pays anglo-saxons, qui se sont posés à des degrés divers et variés un certain nombre de questions sur comment respecter le sol, comment respecter la plante et comment respecter les gens qui consomment les produits qui en proviennent. Donc ça, tout ça, et c'était un certain nombre de travaux qui ont inspiré évidemment des vignerons qui avaient ce même genre de préoccupation. Là, on est sur le registre, disons, du travail du sol, de la production, en l'occurrence de raisins. Jusqu'à une époque très récente, je vous rappelle qu'il n'existait pas de vin bio. Il existait des vins issus de raisins de l'agriculture bio, comme si cette démarche-là s'arrêtait à la porte du chai. Le cahier des charges portait principalement sur les méthodes culturales.
Et c'est sur cette base-là qu'un certain nombre de vignerons ont eu l'idée, ont revendiqué quelque chose comme nature. Ça voulait dire que la philosophie qu'ils appliquaient dans la vigne, ils voulaient la poursuivre dans la cave. Pas de désherbant, pas d'antipourriture, pas tous ces produits chimiques qu'on met dans la vigne, mais continuer cette chose-là dans la cave. Ça, c'est défini par aucun cahier des charges, c'était défini par aucune réglementation, mais c'était une démarche, une espèce de philosophie qu'ils ont mis en œuvre ensemble, chacun avec des nuances, parce qu'ils ne sont pas tous dans le même contexte, de région, donc de problèmes qu'ils rencontrent dans leur travail, mais avec vraiment toujours cette philosophie. Et c'est ce mot nature, mais auquel il faut toujours mettre des guillemets, parce que ça peut aussi être porteur d'ambiguïté, ce mot-là. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que la nature finale du vin, c'est faire du vinaigre. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ce que veut dire nature. Ça veut pas dire qu'on laisse faire tout et n'importe quoi. Bien entendu, qu'il y a le travail du vigneron, il existe. Il y a une surveillance, il y a des décisions qui sont prises à des tas de niveaux. Mais ce qu'il y a, et d'où le sens de au naturel que j'ai mis dans le titre du bouquin, c'est sans apport de produits extérieurs. Ça veut dire qu'on cultive sa vigne avec, par exemple, la recherche d'une certaine maturité pour avoir une certaine richesse en sucre, et c'est ça qui va déterminer le degré d'alcool, et non pas rajouter du sucre de betterave pour faire quelque chose qui ressemblerait à ça, mais un sucre qui ne serait pas originaire du raisin. Où on peut tenir le même discours sur l'acidité, sur un certain nombre de choses. Donc, c'était ça, je crois, l'idée de nature, même si d'ailleurs au départ, les gens qui ont fait ça, le mot est arrivé après que cette démarche soit enclenchée. On va dire que ça s'est enclenché, grosso modo, on va faire partir ça des années 50-60, mais c'est arrivé dans la pratique d'un petit nombre de vignerons un tout petit peu plus tard. Vous avez peut-être déjà entendu parler, par exemple, de quelqu'un comme Jules Chauvet. Ça se passe dans le Beaujolais. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui était à la fois négociant, vigneron et on va dire chercheur, même s'il n'avait pas des titres scientifiques sur sa carte de visite, qui a travaillé sur les levures, sur les bactéries et donc sur l'usage du soufre. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, levure et bactéries. Je le rappelle rapidement, le jus de raisin fermenté dont je parlais au début, il est travaillé par des levures qu'on trouve naturellement dans le sol, sur le raisin, dans l'air, et qui ont un boulot très précis, c'est transformer le sucre naturel du fruit, c'est-à-dire du raisin, en alcool, en chaleur, mais ça disparaît, et en gaz carbonique, ça disparaît, sauf si on s'applique à le garder dans un certain nombre de cas. Et puis, dans un deuxième temps, il y a des bactéries qui s'attaquent à un acide qui est naturellement dans le jus de raisin, qui est un acide relativement fort, qu'on appelle acide malique. Malique, ça vient du mot de malus, la pomme en latin. Donc, une acidité que vous allez par exemple retrouver dans, vous voyez, les pommes vertes, les Granny Smith et les choses comme ça, une acidité quand même, il y a d'Agnac. Les bactéries vont transformer cet acide fort en acide plus doux qu'on appelle acide lactique. Et cette opération, cette fermentation-là par les bactéries va s'appeler fermentation malolactique. Voilà, c'était juste un petit résumé pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Bien entendu, le respect du sol, le respect donc du travail des micro-organismes qui vont transmettre les substances singulières d'un terroir aux racines, donc aux fruits, donc au vin. Tout ça, c'est évidemment, ça fonctionne si on préserve les levures naturelles qui sont dans le lieu, les bactéries aussi qui sont dans le lieu.
Sinon, on comprend bien que la revendication d'une appellation d'origine contrôlée, laissons tomber le contrôle, mais en tout cas origine et appellation, la revendication de la singularité d'un lieu, elle n'a de sens que si on respecte la réalité de ce terroir-là. Sinon, c'est juste un discours pour la contre-étiquette, mais ce n'est pas dans la réalité du vin. Ou alors, on se retrouve dans une situation, c'est comme si on disait, vous savez sans doute que les pneus Michelin sont faits à Clermont-Ferrand, il viendra aider personne de dire que les pneus Michelin sont un produit auvergnat. Voilà, et ben, il y a des vins, enfin, en tout cas des raisins et les vins qui en proviennent, ou des légumes qui ont une revendication de lieu d'origine qui a à peu près autant de valeur que la revendication de produits auvergnats pour les pneus Michelin. Ils sont faits là, mais ils sont faits de telle façon qu'ils pourraient être faits sur du polystyrène, ça serait pareil. C'est-à-dire que le sol est tellement dépourvu des micro-organismes dont je parlais, de la faune type vers de terre dont je parlais, c'est-à-dire d'une absence complète de transmission des éléments du sol à la plante, qu'en réalité, le sol n'est plus qu'un support. Mais il n'apporte rien de ses qualités à la plante, et donc aux fruits, et donc au vin. Et donc la revendication d'une appellation devient soit un mensonge par incompétence ou je m'en foutisme, soit même, et ce serait plutôt mon avis, une escroquerie. C'est donc la raison pour laquelle un certain nombre de vignerons, et me semble-t-il, ils sont de plus en plus nombreux, revendiquent cette notion de vin, entre guillemets, nature ou naturel ou au naturel. Moi, je préfère en fait le mot vivant. Parce qu'il transcrit bien l'idée d'un sol vivant avec tous les organismes dont j'ai parlé dans le sol, et puis vivant aussi pour celui qui le reçoit. C'est-à-dire que entre recevoir un vin qui finalement va s'exprimer qu'à travers son degré alcoolique, voilà, ça chauffe, ça fait du bien, 13 degrés, 13,5. Et puis un vin qui transmet vraiment une réalité de l'endroit d'où il vient, quelque chose de vivant qui vous traverse, ça vous raconte une autre histoire, c'est une autre digestibilité. Et donc, il me semble que dans un cas, si on boit beaucoup du premier vin, on pourrait même devenir un peu abruti. Et dans le deuxième cas, il me semble qu'on a plutôt une ouverture et on est plus intelligent le lendemain que la veille. En tout cas, c'est mon avis, mais vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Voilà, donc c'était ça un peu l'idée. Alors évidemment, je l'ai précisé, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de définition légale. Finalement, le seul, comment dire, la seule règle qui s'impose, c'est celle que se donnent les vignerons. Mais bien entendu, les vignerons ne sont pas des gens isolés et ils savent un petit peu ce que font les autres. C'est-à-dire que, je ne sais pas, les vignerons dont je parlais tout à l'heure dans le Beaujolais, quand je vous parlais de Jules Chauvet, je vais y revenir parce que j'avais perdu le fil tout à l'heure. Ils se fréquentent, ils ont les vignes côte à côte. Si un vigneron au milieu prétend faire quelque chose et ne le fait pas, ça va vite se savoir quand même. Donc il y a aussi d'abord une honnêteté foncière des vignerons et d'autre part l'œil des voisins. Donc même s'il n'y a pas de certification par je ne sais quel label ou quel coup de tampon sur un bout de papier, il y a une réalité concrète de terrain qui a, à mon avis, largement autant de valeur. Oui, je vous faisais allusion tout à l'heure à ce monsieur Chauvet que Marc a connu, je pense, non? Oui. Qui est mort maintenant, qui est mort âgé, je sais pas, en 89, si je m'abuse, qui est un monsieur qui a beaucoup travaillé donc sur les fermentations et sur l'usage du soufre. Vous savez que le soufre est un antiseptique et un antioxydant que on utilise enfin, presque toujours, sauf cas particulier, dans le vin. Assez bizarrement, au fond, parce que quand je vous ai parlé du travail des levures, il faut savoir que les levures, selon un certain nombre de critères et de circonstances, produisent naturellement un peu de soufre. Et un peu, ça peut même être parfois relativement beaucoup,
ça peut monter à 30, 40 mg de soufre. Ça, c'est dans le cas des levures, ce qu'on appelle indigènes, les levures qu'on trouve naturellement dans le sol, dans l'air, sur les raisins, voilà, celles qu'on fait rentrer dans la cave en même temps qu'on rentre le raisin. Quand on utilise des pesticides, toutes sortes de traitements et notamment des antipourritures, il est bien clair que les raisins qu'on rentre dans la cave, bah, ils ont été un peu, voilà, quoi, les levures, les éléments vivants qui pouvaient être sur les raisins, bah, il n'y en a plus. Et donc la nécessité, c'est d'ensemencer, c'est-à-dire pour que la fermentation se fasse, de mettre des levures qu'on va acheter chez le marchand. Ça a été sélectionné par des professionnels de la profession, comme on dit. Et alors celles-là, elles marchent super bien, il n'y a pas de problème, elles ont été étudiées pour, mais elles ne sont pas neutres, même si parfois il y a une prétention à ce qu'elles soient neutres. Il suffit de lire une boîte de levure, ou en tout cas plusieurs boîtes de levure, pour voir qu'elles proposent des schémas qui ne sont pas identiques. Il va y avoir une levure qui va être propre, par exemple, au vin rouge de la vallée du Rhône, et la boîte expliquera que ça favorise les arômes de fruits noirs et de réglisse, par exemple. D'autres vont souligner le fait qu'elle favorise les arômes, par exemple, pour des vins blancs, d'agrumes et de fleurs blanches. Voilà. Donc leur neutralité ne paraît pas si neutre que ça, puisqu'on affirme, en tout cas, les fabricants l'affirment, qu'elles ont des vertus aromatiques. Enfin, elles favorisent certains types d'arômes. Le travail, en tout cas, que se proposent les vignerons d'Inature, c'est bien entendu de tout mettre en œuvre pour que les levures qui sont naturellement sur leur raisin soient celles qui vont transformer le sucre du jus de raisin en alcool et non pas. Parce que c'est ça qui est, c'est une des signatures de l'endroit où ils sont, avec les éléments minéraux du sol qui sont transmis, comme je vous le disais, par les micro-organismes. Si on se passe et des levures qui sont naturellement dans le lieu et des éléments minéraux qui sont transmis par les racines, bah voilà, il y a la notion de terroir et donc la notion d'appellation n'a plus aucun sens. Donc après tout, on peut très bien faire une boisson à base de jus de raisin fermenté, enfin, pourquoi pas, mais à condition de ne pas prétendre autre chose. Bon, on n'est pas obligé d'en boire, c'est déjà ça. Mais en tout cas, quand il y a une revendication de terroir, il est absolument, il est hors de question qu'il en soit autrement. Malheureusement, c'est évidemment pas le cas dans les appellations en France. Il n'y a aucune appellation d'origine contrôlée en France qui pose comme un des piliers de ces règles, les levures indigènes, j'en connais pas. Aujourd'hui, évidemment, il y a quelques règles pour ne pas abuser des désherbants. Ça varie selon les appellations, comment les gens se mettent d'accord sur place. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'appellations qui se refusent au désherbant, enfin, au désherbage intégral. Généralement, il y a des règles pour ce qu'on appelle les tournières à peu près partout. Bon, enfin, c'est quand même pas l'essentiel enfin, des parcelles de vigne. Voilà, on est très loin du compte dans la réglementation française et d'ailleurs dans la réglementation européenne. Donc, c'est sur ces bases-là. C'est-à-dire sur les bases d'une agriculture conventionnelle qui parfois se donne des airs, disons, un peu plus modernistes, que les vignerons qui sont passés, enfin, qui cultivaient en bio ou en biodynamie, mais qui avaient envie de poursuivre ça jusque à l'intérieur du chai au moment où ils vinifient, et même au niveau de l'élevage et jusqu'à la mise en bouteille, c'est sur cette base-là, avec un esprit critique par rapport à cette agriculture, disons, conventionnelle, qui se sont voilà, revendiqués du mot de nature.
Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, je vous parlais de ce monsieur Chauvet parce que quand même, il a eu une certaine importance, même si on était dans une région particulière, qui était la sienne, qui était le Beaujolais, où il y a voilà, certaines façons de vinifier qui posaient des problèmes particuliers. Il est arrivé à définir une façon de travailler les sols et les vinifications de telle sorte que, en fait, le soufre, qui est un élément vraiment important dans le vin, par son côté désagréable. Je vous rappelle, je vous apprends que ce qui fait mal à la tête, généralement, c'est pas tellement le vin, c'est le soufre qu'il y a dans le vin. Il a bien sûr les vertus, je vous l'ai dit, antioxydants, antiseptiques, mais voilà, c'est malheureusement c'est un poison. Il y a une dose qui a été définie par l'Organisation mondiale de la santé, une dose par rapport au poids corporel, une dose journalière. Voilà, si on la dépasse, on peut avoir quelques problèmes. Et en plus, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Il y a des gens qui sont absolument, affreusement sensibles au soufre, qui peuvent pas, ils peuvent absolument, ils font des allergies, quoi, voilà. Il est arrivé à expliquer qu'en travaillant d'une certaine façon, en ramassant donc des raisins particulièrement sains, c'est-à-dire en travaillant le sol sans tous les produits qui sont autorisés, et en vinifiant avec beaucoup de rigueur, il a beaucoup insisté sur la rigueur, l'hygiène. On pouvait arriver à un moment donné à faire du vin qui permet de se passer de soufre. J'insiste là-dessus parce que sur la question du soufre, qui est un point clé dans les vins dits nature, il y a un certain nombre de gens qui ont pensé peut-être un peu vite que faire du vin sans soufre, ça consistait à faire du vin comme on le faisait d'habitude, moins le soufre. Et ça a donné quelques catastrophes. C'est pas comme ça qu'il faut penser la question du soufre. Il faut le penser plutôt comme un, non pas comme un but ultime, mais comme un moyen. Et ce moyen, si on a réussi à avoir des populations levuriennes, par exemple, très vivantes, c'est-à-dire que les fermentations se passent bien, des cultures de sol qui donnent des raisins parfaitement complets et riches. On va arriver à un vin qui n'exige plus la présence de soufre. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que de se dire dès le départ, de toute façon, j'en mets pas. Parce qu'il peut y avoir des problèmes. Et donc, c'est ce point particulier. Moi, j'ai le souvenir d'avoir emmené chez Jules Chauvet des vignerons du Beaujolais qui travaillaient de façon classique en disant Monsieur Chauvet comment j'aimerais bien faire du vin sans soufre. Il disait bon bah vous travaillez comment, vous faites quoi? Alors, donc le gars lui expliquait, il disait bah non écoutez, bah non je vous, non franchement je vous déconseille, non faites pas ça. Parce que évidemment c'était aller à la catastrophe que de travailler de façon conventionnelle dans la vigne et en vinification, mais simplement en ne mettant pas de soufre. Donc, un peu, de façon un peu simpliste, les vins, la recherche de vin le plus naturel possible, disons, a souvent été exprimée sous cet aspect-là, vin sans soufre. Ce qui est réducteur, ce qui ne dit pas. Ce qui cache une grande, enfin, ce qui ne dit pas la réalité de l'énorme travail que ça exige à la vigne pour arriver à avoir des raisins parfaitement sains, parfaitement équilibrés, parce que la notion d'équilibre dans cette affaire est extrêmement importante. Équilibre, ça veut dire entre la richesse en sucre qui donnera l'alcool, entre l'acidité naturelle qui vient et du fruit et du sol, mais pas une acidité de raisin vert ou de raisin pas mûr, une acidité naturelle de tel ou tel cépage dans son contexte de terroir. Par exemple, le melon de Bourgogne dans la région d'ici, ou le chenin, pas bien loin. Voilà. La notion d'équilibre est très importante parce que avec des raisins qui présentent cet équilibre-là de tous les éléments, on se met en position
d'avoir des vins qui eux-mêmes ont cette richesse et cet équilibre. Et c'est cet équilibre-là qui va rendre possible de se passer d'un certain nombre d'adjuvants, et parmi ces adjuvants, du soufre, au moins en quantité exagérée. Je dis au moins en quantité exagérée parce que, bien entendu, quand on n'utilise pas de soufre dans tout le cours de la vinification jusqu'à la mise en bouteille, il y a un certain nombre de vignerons qui quand même éprouvent le besoin au dernier stade, c'est-à-dire au moment de la mise en bouteille, de mettre par exemple 20 mg par litre, parce qu'à ce moment-là, ils savent bien que le vin va leur échapper. Il va partir en bateau, en avion, à l'autre bout du monde, et il va arriver chez des gens, on ne sait pas comment il va être traité. Peut-être qu'il va être posé, il va stationner debout devant un radiateur. Enfin, toutes sortes de choses qui échappent à la maîtrise du vigneron. Et là, ça pourrait causer un certain dommage au vin. Donc, il y a une précaution, disons, qu'on va appeler commerciale, c'est-à-dire de protéger un minimum le vin pour être sûr qu'il arrive dans un bon état, en bon état, sur la table de celui qui aura acheté la bouteille. Tous ne le font pas, mais certains font d'ailleurs deux mises en bouteille. Une pour des gens dont ils connaissent très exactement les pratiques, parce que voilà, c'est des clients, c'est des cavistes, c'est des restaurateurs, c'est des particuliers dont ils savent qu'ils ont bien compris ça. Et puis ce qui part à l'aventure à travers le monde, légèrement protégé par, je vous dis, quelque chose comme 20 mg. Je dis 20 mg pour ceux qui ne savent pas, très couramment, les vins, selon leur nature, peuvent aller à 100, 150, 200, voire un peu plus, milligrammes de soufre par litre. Le pire étant généralement les vins liquoreux, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Le soufre étant un antiseptique, il est capable de bloquer le travail des levures. Et dans un vin liquoreux, par définition, il y a du sucre. S'il y a des levures vivantes et qu'il y a du sucre, vous avez le risque évidemment très important et plus que probable que la fermentation reprenne ou continue en bouteille. Sucre et levure, normalement, ça se remet à fermenter. Et donc, pour bloquer ce processus-là, eh bien, on met des doses de soufre qui peuvent être absolument considérables. C'est pour ça que souvent, avec un verre de Sauternes, vous pouvez déjà commencer à avoir le casque à pointe. Enfin, je veux dire casque à pointe, je parle de la pointe vers l'intérieur. Hein. Et beaucoup moins sur des vins blancs secs, puisqu'il n'y a plus ce problème de refermentation, et encore moins généralement sur des rouges, parce qu'en plus, ils ont une matière tannique qui les rend, disons, un peu plus résistants à l'oxydation. Enfin, voilà, ils ont peut-être un peu moins besoin de protection. Mais il ne reste pas moins que même si ce sont des toutes petites doses, bon voilà, c'est quand même des doses de soufre. Et ça fait partie donc de la démarche des vignerons nature, de la limiter au maximum, même si, comme je vous le disais, elle n'est pas forcément toujours égale à zéro. En plus, ça peut évidemment varier selon les circonstances, selon les années. Il y a plein de critères. Rien n'est forcément définitif. On peut ne pas en utiliser en général, mais dans une circonstance particulière, être amené à en utiliser un tout petit peu quand une année est par exemple faible, voilà, où le vin ne présente pas forcément toutes les caractéristiques habituelles. Oui, je suis bien d'accord avec vous au sujet de diminuer au maximum les doses de SO2, mais les levures indigènes produisent du SO2 plus. Pour moi, la meilleure façon pour réduire au minimum la dose de SO2, c'est de levurer, d'importer des micro-organismes justement qui ne produisent pas de SO2. Oui, ben c'est les levures d'ailleurs du commerce, on revendique. Je vous parlais comme ça de leur information sur le registre aromatique, mais elles indiquent aussi que généralement elles sont peu productrices de SO2. Ça fait partie théoriquement de leur qualité dans la sélection de ces levures-là. Mais on sait bien pourquoi. Parce que
pour maîtriser, ça c'est le boulot de l'énologue, parce qu'au milieu de tout ça, il y a eu les professionnels qui sont arrivés, qu'on appelle des œnologues. C'est arrivé dans les années 60-65, le métier d'œnologue, le diplôme d'œnologue, parce qu'ils utilisaient notamment un produit qui était extrêmement dangereux à manier, et l'État a éprouvé le besoin de créer une profession de professionnel pour utiliser un produit qu'il n'était pas question d'utiliser comme ça. J'ai obligé, c'est le ferrocyanure, voilà. Donc le dosage en soufre relevant du métier d'œnologue, et pour avoir la maîtrise de la quantité de soufre, il vaut mieux ne pas être embêté par cette dose de soufre produite naturellement par les levures, mais qu'on ne sait pas très bien de combien elle est. Voilà. Donc, c'est assez quand même curieux que la qualité que revendiquent les levures sélectionnées, ce qu'on appelle les levures sèches actives. Hein. Les levures du commerce, ça se présente comme une poudre qu'on dilue avant de l'intégrer à la cuve de jus de raisin et à faire fermenter. Levure sèche active. Elle revendique d'être peu productrice de soufre, ce qui est quand même étonnant, alors que les levures naturelles produisent de soufre des doses très différentes selon les cas, c'est-à-dire en fait elles produisent de soufre dont le processus fermentaire a besoin à l'instant T, une année X, et dans les conditions qui sont celles du vin qui est en train de se faire. Et notamment, une question importante, la quantité, l'acidité du jus qui joue un rôle assez important. Donc, moi, j'ai rien contre qu'on utilise des levures du commerce pour faire, comme j'ai dit tout à l'heure, une boisson à base de jus de raisin fermenté. Ce que je suis en train de défendre, si j'ose dire, enfin défendre en tout cas aux côtés des vignerons qui font vraiment le boulot, c'est que à partir du moment où il y a une revendication d'origine et la revendication d'un terroir, il paraît assez évident que les levures indigènes du lieu doivent être celles qui font le travail, parce que si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'il y a un petit mensonge sur l'origine. Donc l'appellation d'origine, je ne sais pas très bien à quoi on va la... à quelle réalité elle va correspondre, si, parce que, bien entendu, quand on utilise les levures du commerce, généralement, ce n'est pas la seule chose, le seul adjuvant, le seul intrant qu'on met. Ça fait partie d'un long processus. C'est-à-dire que, généralement, quand on met des levures du commerce, c'est qu'on a mis déjà pas mal de choses dans les vignes, à tel point qu'on aurait quelques difficultés, probablement, à faire fermenter tout simplement son jus de raisin, et qu'après on va être obligé de faire encore beaucoup d'autres choses parce que on a un jus de raisin probablement un peu faible, il va falloir l'accompagner avec des tas de produits jusqu'au bout. Alors si on est au nord, généralement on manque un petit peu de richesse alcoolique, donc on va chaptaliser, c'est-à-dire rajouter du sucre pour faire monter le degré d'alcool. Si on est au sud, on a de la puissance alcoolique mais on manque d'acidité, donc on va acidifier. À partir de la Bourgogne, à Meursault, je pense qu'il doit être trois vignerons à ne pas acidifier. À Châteauneuf-du-Pape, il n'y a pu en avoir que deux. Voilà. Pourquoi? C'est parce que la façon de travailler la vigne, la façon d'obtenir, enfin, la rigueur que l'on met dans l'obtention de raisins sains et équilibrés, elle n'est pas assez grande et qu'on a finalement. Et en plus, il y a la question des rendements, parce que c'est aussi une question importante. On a des jus qui finalement sont un peu défaillants et il va falloir leur mettre une béquille à droite, une béquille à gauche, deux béquilles à droite, deux béquilles à gauche. À la fin, bien sûr, on va avoir un vin entre guillemets parfait, enfin je veux dire sans défaut grave, mais en tout cas la revendication d'un caractère et d'un caractère qui serait le produit d'un certain terroir, ça n'a plus beaucoup de sens. En tout cas, je ne sais pas ce qu'en pensent nos camarades vignerons. Disons, tous les ans, c'était quelconque. On arrivait tout le temps à faire la même chose et à la fin, ça devenait une recette. Et c'est tout. Pour moi, ça s'en était rendu à ce point-là. Donc, voir les autres travailler dans d'autres régions ça, et déguster leurs produits, on a vite compris la différence, que c'était des produits de raisin et non pas des produits de pharmacie, quoi. Pour moi, c'était ça. Bon, je crois que c'est surtout la dégustation qu'on a vu la différence entre les vins qui étaient
qui était travaillé, quoi, tandis, et par rapport aux vinifications qui étaient naturelles. On a quand même beaucoup. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à boire des vins qui étaient des vins dits nature. C'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire. Jacques Carroget vient prononcer un mot qui n'est pas tout à fait négligeable et qu'on oublie souvent, c'était le mot plaisir. Parce que, bien sûr, comme je vous le disais, il y a des vins qui sont faits avec toutes les techniques qui sont sur le marché, vont être impeccables au sens, voilà, si on fait une fiche d'analyse, il n'y a rien à dire. Ils peuvent même éventuellement peut-être avoir un bon goût, on peut encore discuter, mais comme c'est le goût, voilà, la discussion peut être sans fin. Mais il n'y a pas que ça, au-delà d'un goût X ou Y, il y a un plaisir immédiat, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport au choix de plutôt du mot vin vivant que nature ou autre. Parce que avaler, enfin sentir passer un vin qui a cette... ce caractère vivant, ça ne fait pas du tout la même impression qu'un vin qui aurait pour qualité petit A de faire 13 degrés, petit 2 de sentir, je ne sais pas quoi, moi, l'abricot, petit, voilà, disons, hein, une description qui peut paraître sympathique, mais ça peut être autre chose, il y a quelque chose d'autre qui passe. Et en plus, il y a la question, au-delà du plaisir, la digestibilité. Parce que pour une raison simple, c'est que entre autres le soufre qui peut être présent en quantité importante dans le vin a comme inconvénient de neutraliser je ne sais plus très bien quelle vitamine B1, truc comme ça, enfin bref quelque chose que l'on a qui intervient au moment de la digestion et le soufre la neutralise et donc ça pose un problème de digestibilité au sens le plus simple du mot, voilà. Et en plus dans le ressenti, dans le plaisir juste immédiat du vin, on la sent sans attendre le moment, on va se dire ça a du mal à passer. On sent un plaisir qui relève évidemment de la buvabilité, la digestibilité, quelque chose qui va glisser avec une certaine évidence en tout cas, et non pas parfois, ça a dû arriver à tout le monde, de boire certains vins qui sans présenter de défauts, c'est quand même une épreuve, quoi. On ne sait pas pourquoi, mais on a le sentiment d'être en face d'une épreuve. Et pourtant, ils n'ont pas de défauts, clairement visibles. Ils ont subi tous les traitements qui évitent le risque de défaut. Et pourtant, ils sont impeccables, mais ils sont, en fait, ils sont morts, quoi. Et c'est ça, c'est cette différence-là qui me paraît la plus au bout de tout ce processus de travail de la vigne, de vinification et de choix dans les différentes façons de travailler. Au bout du bout, il y a ça, quoi. Il y a des sols morts qui donnent des produits morts. Il y a quelqu'un qui a travaillé, un comment on appelle ça, bourguignon, comment ça s'appelle déjà, c'est un microbiologiste des sols. Voilà, qui a travaillé à une époque à l'INRA, puis un jour l'INRA a pensé que la microbiologie des sols, ça ne servait à rien. Ils ont fermé carrément ce département-là. Donc ce monsieur ne travaille plus à l'INRA, mais il travaille dans un laboratoire qui est son laboratoire propre. Il fait des analyses de sols. Et il explique, par exemple, il travaille dans le monde entier, pas simplement en France et pas simplement dans la viticulture. Il est capable d'arriver à faire pousser des choses sur des sols désertique en Afrique. Et ça fait maintenant quasiment une dizaine d'années qu'il essaye de rendre vivants les sols de Beauce. Vous savez que les céréaliers sont c'est probablement la partie de l'agriculture, peut-être même plus que la viticulture encore, à utiliser tous les pesticides de façon intensive. La Beauce, c'est un sol absolument mort. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un support. Ça pourrait être du polystyrène, ça serait pareil. On fait, hein, ça existe, la culture de polystyrène. Peut-être même ils en font dans la région. En tout cas, les tomates et les fraises sur polystyrène, ça c'est une banalité aujourd'hui. Et c'est sûr qu'elles sont nickel chrome. Hein. Elles n'ont pas de goût et surtout, il ne serait pas question qu'elles revendiquent une origine pour le coup.
Toute la question est là. Tout dépend aussi de ce qu'on revendique. C'est ce que je disais en débutant. Si on veut faire une boisson à base de jus de raisin fermenté, ma foi, faites comme vous voulez et puis buvez-en si ça vous plaît. Mais en tout cas, appelez pas ça du vin avec une revendication d'origine. C'est là, à mon avis, où se passe la ligne de partage. Les bio, les vins d'agriculture biologique, les vins en biodynamie sont contrôlés. Donc on nous vend quelque chose qui a été contrôlé, donc qui, on imagine, correspond à une philosophie. Les vins nature, cependant, sont libres de tout. C'est certainement une excellente philosophie, mais on ne sait pas si c'est réellement vraiment nature. Peut-être ont-ils oublié, ou une année, devant la peur d'une production qui allait disparaître, ont peut-être fait quelque chose, et ont apporté des intrants à la vigne, ou après, aussi bien, devant une cuve qui ne partait pas en fermentation, ont apporté des levures sèches actives, comme vous dites. Ce que j'aimerais, dans l'idée des vins nature, c'est que demain, peut-être, demain, ça viendra un jour, que les gens revendiquant le vin nature acceptent un certain contrôle de leur cave, juste pour être sûr que ce soit bien nature. D'abord, la plupart des vignerons qui revendiquent le vin nature sont, de toute façon, avec certification ou pas, mais souvent en bio ou en biodynamie. Donc déjà, dans la vigne... En bio, ils sont contrôlés. Oui, d'accord. Non, mais je rajouterai aussi un truc personnel, c'est que cette histoire des contrôles, c'est bien gentil, mais il y a quand même un truc, absurde dans cette histoire. L'histoire des contrôles, ça a été imposé par l'agriculture conventionnelle, et notamment le syndicat le plus puissant de l'agriculture, qui est la FNSEA, qui est quand même le syndicat qui a œuvré pour l'industrialisation de l'agriculture dans les années 60, et qui ont été les grands artisans de ce qu'on a appelé les lois Pisani, enfin, voilà, les fameuses révolutions qui a définitivement inscrit l'agriculture dans le processus de l'industrialisation. Ces gens-là, quand ils ont vu que la bio commençait à monter, ils pouvaient pas l'empêcher. Mais par contre, ils ont exigé des contrôles. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose avec 10, 20, 30 produits chimiques ajoutés, vous n'êtes pas obligé d'être contrôlé et de payer quoi que ce soit. Si vous voulez ne pas utiliser ces produits, faire quelque chose de plus sain, vous devez payer... Voilà. Donc il y a des vignerons qui sont parfaitement bio, plus bio que bio, et qui ne veulent pas être contrôlés parce qu'ils pensent que l'idée de contrôle, il n'y a qu'à contrôler les autres à ce moment-là. Parce que les autres, je peux vous donner des exemples, par exemple dans le sud, parce que les produits qui sont interdits en France, on va les trouver en Espagne, il suffit de passer la frontière, et en fait, avec des gros bidons, on les reconnaît facilement, les bidons, il y a une tête de mort avec une grande croix rouge. Dans certaines années climatiques, c'est extrêmement difficile d'arriver au naturel. Oui, il y a des années compliquées, bien sûr. Un viticulteur, pour quelqu'un qui doit démarrer demain une viticulture sur un certain nombre d'hectares, il y a cette question qui va se poser. Oui, vigneron à Annay, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est sûr, on l'a vu, là, la notion de nature est une notion plutôt jeune. Et donc, si on compare avec les autres notions de l'agriculture, on a parlé tout à l'heure de M. Ward, les années 1900 quelque chose. On a pu parler des appellations d'origine contrôlée, donc les années 30. Là, la notion de vin nature, qui a été initiée par Jules Chauvet et son équipe, hein, Marcel Lapierre, Pacaret, etc. etc. Max Léglise, que je citerai aussi. Ouais. Max Léglise, que je citerai, c'est plutôt les années 60-70. Les années 60-70. Donc, il faut considérer que c'est quelque chose qui est en dynamique et qui est en devenir. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de contrôle. Moi, j'ai été contrôlé par les fraudes. Et ils ont fait l'analyse totale de mon vin pour savoir effectivement si j'avais mis des intrants ou si je n'ai pas mis d'intrants. On ne va pas forcément trouver à leur goût. Ça, c'est un autre débat. Mais, par rapport au dire que j'avais, ce que j'écrivais, il n'y avait pas de fraude. Je peux vous dire qu'ils ont analysé ça, et je n'ai pas été le seul. Hein. On a été quelques-uns qui avons été analysés comme ça. Alors après, il existe une association, il existe plusieurs associations de vignerons qui se réunissent et puis qui essayent de promouvoir ce type de vin. Bon, sincèrement, je peux vous assurer, quand on fait un conseil d'administration, une assemblée générale avec des vignerons de vin nature de toute la France, ça vaut le coup.
mais au moins en termes de plaisir gustatif. Je vais parler d'une, hein, il y en a une qui s'appelle les Vincins, où les vignerons, sur l'ensemble de leur production, n'ajoutent absolument aucun intrant. Mais là, c'est effectivement difficile. Là, c'est effectivement difficile. Parce qu'il peut y avoir une année, une cuve, voilà, etc., etc. C'est pas parce qu'on est en vin nature qu'on ne surveille pas, y compris de manière scientifique, ce qui se passe dans nos cuves. Il y a une autre association, ça s'appelle l'AVN, l'association des vins de vinification naturelle, puisque c'est la dernière assemblée générale, on a changé le titre. Et cette association revendique une charte sur laquelle il est évident que le vin doit être d'origine de raisins biologiques et qu'il y a deux types de vins AVN. Il y a le type de vin AVN où on a le droit d'aller jusqu'à 30 mg de soufre, mais c'est le seul intrant qui est autorisé. Et ce qu'on essaye de défendre, parce que nous avons eu des rencontres avec la DGC. Oui, c'est ça, j'ai beaucoup de difficultés à prononcer. Il y a eu des réunions avec la DGCRSF. Ouais. Et dans lequel il est clair que, vu qu'il y a de plus en plus de vignerons qui se revendiquent nature, etc., etc., ça commence à poser un problème aux fraudes. Et la proposition qui a été faite et sur laquelle on travaille, c'est effectivement des vins sans aucun intrant, y compris le soufre, pour qu'on puisse marquer sur l'étiquette « vin de vinification naturelle ». Voilà, je vous dis où nous en sommes. Et on aura contact cette année, on retournera voir les fraudes pour voir si on est d'accord sur une labellisation et pas sur une certification. Une labellisation, c'est la différence entre nature et progrès et la bio européenne. Voilà, je dis ça. Voilà pour expliquer. Voilà, donc je vous dis, c'est vrai que pour l'instant, d'abord les fraudes vérifient si ce que vous dites c'est vrai. Si vous mettez sur votre site internet, si vous mettez sur vos étiquettes qu'il n'y a pas de soufre ajouté, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela, ben ils viennent dans les caves et les caves ils regardent, d'abord surtout ils registrent, patati patata, puis ils prennent un échantillon et je peux vous dire, la liste des analyses est longue. Et donc, je vous dis, on a été vérifié un certain nombre et on est en discussion avec eux pour qu'effectivement ça puisse être. Je ne vais pas dire réglementé, mais au moins qu'on puisse se retrouver sur des bases qui soient claires pour le consommateur et qui, voilà, on en est là. On a une simplification parfois quand on parle de vin sans soufre. Bien entendu, comme ça a été dit, c'est sans soufre ajouté. Donc ça ne veut pas dire des vins sans soufre, puisque, comme je vous disais, les levures, dans certaines circonstances et à des degrés divers, produisent une certaine quantité de soufre. Il y a du soufre dans tout ce qui est vivant, hein. Pas de soufre sur la planète Terre, on ne serait pas là pour en parler. C'est un élément absolument indispensable à la vie. Donc, dans le système vivant des fermentations, évidemment, il y a production de soufre. Là, évidemment, c'est minime. Globalement, c'est minime. C'est minime, ça peut monter assez haut. Hein, ça peut monter assez haut, mais si on regarde en termes statistiques par rapport aux gens qui font sans soufre, la plupart des gars qui sont sans soufre sont en dessous de la limite légale sur laquelle on est obligé de marquer contient des sulfites. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça existe. Oui, bien sûr. Je vous confirme. Vous avez fait un point sur ce que peut vouloir dire la nature, et je vous en remercie parce que je crois que c'est une vaste soupe que. Le recours à la nature aujourd'hui, et ceux qui en font leurs gorges les plus chaudes sont sans doute les moins propres dans ce domaine. Toutefois, je crois que si on s'en tient simplement à la définition des mots dans un dictionnaire, le vin est un produit artificiel, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un produit qui est issu de l'activité humaine. Oui. Donc c'est pas la nature fait pas de vin. En français artificiel, ça veut pas dire ça. C'est un artefact. C'est un artefact. Donc c'est une fabrication. C'est bien pour ça que maintenant le terroir et tout, j'ai bien dit que l'homme était un élément clé. Vous avez évoqué la difficulté qu'il y a à qualifier l'origine d'un vin dès lors que les levures ne sont pas les levures indigènes. Bon. Fondamentalement, je suis d'accord avec vous, vous avez raison, mais ça peut aller très loin si on joue à ça, parce qu'on peut aussi reprocher à un vigneron de ne pas être dans l'origine à partir du moment où il utilise l'eau du réseau de la ville et non pas de son puits,
pour nettoyer sa futaille ou son matériel linéaire. Donc, je veux dire, ça peut aussi devenir une espèce de spirale infernale et on ne sait pas où elle peut s'arrêter. Les vignerons, ils sont comme tout le monde, ils sont dans ce monde et pas dans une autre planète. Bien entendu, oui, comme vous dites, l'eau du réseau, c'est l'eau du réseau. Pour nettoyer la cuve. Il y en a même maintenant qui commencent à... Enfin, l'irrigation commence dans le sud à faire son apparition. Ça pose encore d'autres questions. Donc, c'est encore plus embêtant. Mais ça, bon, voilà, bien sûr. Mais c'est pas pour autant que... C'est pas parce qu'on utilise l'eau de la ville que du coup on peut mettre tous les anti-pourritures et tous les pesticides du monde. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas le sens de mon propos. J'ai bien compris. C'est que plus on va pousser la limite et plus on va rencontrer des petites choses, mais sur lesquelles certains peuvent accepter de se battre. Oui. L'autre difficulté que je vois, c'est que un viticulteur, pour qu'il vive, il faut qu'il vende son vin. Ouais. J'ai le souvenir d'une discussion assez brève que j'ai eue avec un viticulteur qui était producteur de coteaux du Giennois, si je me souviens bien. Il s'agissait d'un vin blanc, et dans le flot de la discussion, je lui ai posé la question si c'était des levures indigènes qu'il avait utilisées pour sa fermentation, ou s'il avait enlevuré son vin. Et il m'a dit que, oui, il avait mis des levures qu'il avait achetées, parce que les levures indigènes développaient des goûts anisés qui ne plaisaient pas aux consommateurs. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? S'il a raison, si ce qu'il dit est vrai, on fait quoi? Bah, là, on tombe sur... au fond... C'est un exemple d'une question qui est assez importante, qui est la fameuse question de la typicité. C'est une question qui a été souvent débattue, et la typicité, c'est, à mes yeux en tout cas, c'est une vaste blague, enfin c'est une blague, ou une sinistre blague plus exactement. C'est-à-dire en fait, pour moi, c'est de l'idéologie pure. Qu'est-ce que c'est la typicité? C'est finalement cette espèce de goût moyen dominant dans toutes les appellations, qui va servir de critère aux gens de la profession au moment de la dégustation d'AOC. Ça veut dire qu'au fond, la typicité, bien sûr, que ça élimine certains vins véritablement malades, parce que dans une dégustation, il peut y avoir des gens qui proposent un échantillon où c'est, comme on dit, pas loyal et marchand. Mais ça, c'est... Voilà. C'est pas une vraie question, ok, c'est bon. Mais ça élimine aussi tous les vins qui vont avoir un goût un petit peu différent de cette fameuse moyenne. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui travaillent d'une façon assez, qui sont minoritaires dans la façon de travailler, c'est-à-dire qui travaillent leur sol plutôt que de les désherber avec des produits chimiques, qui taillent leur vigne d'une façon à avoir des rendements mesurés, pour avoir une certaine qualité de jus de raisin, une certaine richesse dans le jus de raisin, etc., etc., etc. Ils vont évidemment faire des vins qui ne sont pas dans cette moyenne. Et alors, par exemple, je parlais tout à l'heure du Beaujolais, là, c'est absolument typique. La façon dont sont faits les 90% des Beaujolais aujourd'hui, alors on va pas rentrer dans un truc technique, mais aujourd'hui, 80% des Beaujolais sont faits en thermovinification. Voilà, ça donne un style de vin. Alors, ne parlons pas du goût, en tout cas, ça donne un style de vin qui n'est pas celui qui est des gens dont on a parlé, qui depuis 30 ans travaillent, ont été les pionniers de ce travail dans les vignes, de cette façon de vinifier, qui les a amenés au point où il était possible de se passer de soufre, parce que la richesse, l'équilibre de leur jus de raisin, et donc la richesse et l'équilibre de leur vin, n'imposaient plus d'avoir recours au soufre. Donc, dans la dégustation d'AOC, les gens qui d'ailleurs ont reçu une petite formation rapide pour qu'on leur apprenne à savoir ce qui était bon et pas bon, ils ont une fiche, ils vont cocher, ça va commencer avec des goûts de réduction, ça va se continuer avec des goûts, alors ils ont un vocabulaire sympathique du genre serpillière ou je ne sais pas quoi, bref, à la fin, le vin va être obligé de se représenter. Et il va peut-être d'ailleurs être encore ajourné. Avec un peu de chance,
il faut espérer qu'il n'y ait pas eu un petit choix de chaptalisation, parce que dans ce cas-là, il ne peut même pas se rabattre sur l'éventable, puisque la chaptalisation, je crois, est interdite dans l'éventable. C'est une chose qui a été imposée par les régions très grosses productrices de ventable, qui étaient les vignobles du sud, de l'Aude essentiellement, qui n'avaient donc pas problème de richesse de vin. Et donc, pour empêcher les gens plus au nord de faire des ventables, ils ont interdit la chaptalisation. Bon, voilà, tout ça, c'est ces petites ruses du milieu de la production industrielle du vin, qui, évidemment, ne concernent pas les gens dont on parle depuis une heure. Mais cette histoire de la typicité est finalement ce que j'appelle d'ailleurs dans mon bouquin l'arme fatale, parce qu'à la fin, c'est ce qui sert à éliminer, ou au mieux à mettre sur un petit strapontin dans un coin, tous ceux qui, depuis longtemps, travaillent à faire des vins qui soient véritablement l'expression de leur terroir. Et cette expression de terroir, c'est quand même ce qui est écrit dans l'idée de base des inventeurs des appellations d'origine dans les années 30, ça commence même dans les années 20. Et à l'époque, c'était déjà, en fait, au départ, pour lutter contre les fraudes, parce qu'à l'époque, on pouvait faire absolument n'importe quoi. Donc on faisait des vins on arrivait à faire du vin quasiment sans raisin. À un moment donné, il a fallu dire stop et créer un certain nombre de règles. Et puis, les appellations, pour le coup, n'étaient pas protégées. C'est comme ça qu'on faisait du Chablis absolument partout, jusqu'aux États-Unis. D'ailleurs, c'est récent que les tribunaux l'auraient interdit de faire du Chablis aux États-Unis. Bon, bref, tout ça pour dire que la pensée du sénateur Capu, des gens qui ont eu l'idée de construire un système basé sur les appellations d'origine contrôlée, avec quelques grands propriétaires, grands vignerons, comme le baron Leroy, qui était donc propriétaire à Châteauneuf-du-Pape, ils ont construit ce système-là sur l'idée d'origine et de terroir. Voilà. Donc, il est un peu curieux qu'à un moment donné, il y ait ce goût moyen qui est dominant, donc est celui des vins faits avec des vignes non travaillées, travaillées avec des produits et non pas mécaniquement, avec des vins levurés, c'est-à-dire avec des levures non indigènes, pas du lieu, etc. etc. C'est ça, cela qui finalement dicte le goût, voilà, cette fameuse typicité pour dire « Ah non, votre vin ne peut pas rentrer dans l'appellation Beaujolais ». Voilà, et ça donne les histoires que vous avez peut-être entendu parler, l'histoire de Cousin, qui fait... Bon, il faut dire que c'était assez drôle, puisqu'il avait écrit AOC, appellation Olivier... Mais ça voulait... On lui avait refusé les appellations, il a mis AOC, parce que ça voulait dire appellation Olivier Cousin. Voilà, bon. Mais c'était drôle, mais... L'humour est peut-être une qualité des vignerons, c'est rarement la qualité des juges, et en tout cas, certainement pas des interprofessions. Et là, l'interprofession en joue. Bon, enfin, de toute façon, je crois que ça s'est pas trop mal fini pour lui. Non ? Oui, parce que, au fond, là, on est dans le monde, on change de monde, on est dans le monde du but. Donc c'est tellement ubuesque qu'à un moment, une fois que ça a fait un peu le buzz dans la presse, ça retombe comme un... Non, je suis pas là. Comme un vigneron qui s'appelle Giboulot en Côte de Beaune, vous avez peut-être entendu parler. L'affaire était un peu plus sérieuse, puisqu'il s'agissait de traitement contre une maladie. Et là, on était obligé de le passer, mais c'était une décision préfectorale. Ne pas le faire, c'était se mettre donc en contravention. Ça s'est terminé en procès. Et lui expliquait que son travail dans la vigne, depuis 20 ou 30 ans, consistait à mettre sa vigne dans le plus parfait état d'équilibre, donc de capacité à réagir aux agressions extérieures, parce que bien sûr, il y a des agressions extérieures, des maladies, des insectes, enfin, tout ce que vous voulez, mais voilà, plutôt que d'être dans le curatif, c'est-à-dire à chaque fois qu'une maladie arrive, inonder sa vigne du produit de traitement, au contraire, la traiter depuis...
en l'occurrence lui depuis déjà un certain temps, de telle façon qu'elle ait suffisamment de bonne santé pour faire face aux agressions. Et il dit, je ne refuse de foutre en l'air mon boulot de 20 ou 30 ans en appliquant votre décret préfectoral qui m'impose d'inonder ma vigne de je ne sais plus quel produit. Il devait pas se... D'ailleurs, il a dû en prendre, ça a dû être passé en hélicoptère ou je ne sais pas quoi, parce que c'est encore une histoire, ça. Je ne sais plus comment ça se passait. Enfin, bref, il y a eu un procès, et à la fin, je ne sais pas pourquoi, il a 500 euros d'amende avec sursis, c'est-à-dire qu'ils se sont dégonflés parce que ça ne tenait pas debout, leur histoire. En plus, il y a derrière des vrais scandales, puisqu'on sait depuis longtemps que... tout ce qu'il raconte sur cette maladie est un tout petit peu... orienté pour favoriser justement les traitements, alors que ce n'est pas forcément la solution unique et définitive. Enfin, là, on rentre dans des trucs plus compliqués. Excusez-moi, j'ai dérivé. Oui, non, la seule chose que je vais vous répondre, c'est que ce vigneron, on le menaçait pas, n'était pas menacé de perdre son AOC. C'est pas du moins ce qu'il m'a dit. Mais ce qu'il me disait, ce qu'il mettait en avant, c'est un critère purement commercial. Les gens ne veulent pas de ce goût anisé dans le vin. Les gens, vous entendez, consommateurs. Oui, mais ce ne sont pas les commissions d'agrément. Oui, oui, non, mais sauf que effectivement, dans une appellation, quand 9, enfin 99, 20 sur 100, on présente un goût X ou Y, celui qui n'a pas ce goût, ça donne ça. Les gens disent, ça donne un goût. Vous rentrez dans un magasin, vous voyez le rayon des sirops à la menthe. Vous en avez, c'est Pierre Auvernois qui raconte ça, vous en avez 8, 10, 15 qui sont verts, quasi phosphorescents. Et il y en a un qui est transparent, qui est blanc, enfin, qui n'a pas de couleur. Bah, c'est quoi celui-là? Un sirop de menthe qui n'est pas vert? Il y a 90% des gens qui vont prendre un sirop de menthe vert, parce que vert, ça veut dire menthe. Voilà. Et évidemment que le vert, c'est un colorant chimique. Le sirop de menthe, c'est pas vert. Voilà. Donc, c'est un peu caricatural, l'histoire du sirop de menthe. Mais c'est au fond le principe général de la fameuse typicité. S'il y en a 9 qui sont verts, le dixième qui n'est pas vert, c'est forcément le canard boiteux. En fait, c'est celui qui fait juste du sirop de menthe et qui n'éprouve pas le besoin de le colorer en vert pour prendre les gens pour des imbéciles. Vous avez vu, c'est vert, hein, c'est de la menthe. Ce qui est souligné là, c'est pas tant ce qui est imposé de l'extérieur dans un aspect normatif que la société a fixé au cours du XXe siècle et c'est venu avant. C'est la capacité individuelle, enfin moi c'est ce que j'entends de ce que dit M. Saint-Brenant, c'est la capacité de l'individu vigneron de pouvoir commercialiser, donc faire connaître la caractéristique individuelle de son produit. Et ça, c'est une difficulté que beaucoup rencontrent, qui pourrait être fait à passer le pas, sauf qu'il faut être en capacité de vendre son vin, puisque le vin est un produit qui est une activité aussi d'entreprise, qui peut être une micro-entreprise, qui peut être une plus grosse entreprise, etc. Et du coup, je refais le lien avec ce que disait monsieur, la capacité collective de ces individus de pouvoir fixer 3-4 éléments en commun qui leur permettent à plusieurs d'identifier une sorte de gamme. Mmh. Donc je suis très contente d'avoir entendu le vigneron dire que le travail se faisait progressivement avec, j'imagine, toutes les prudences pour éviter d'arriver au système biaisé de l'AOC qui avait son réel intérêt à l'époque dans les années 30. Effectivement, tout se faisait n'importe quoi, c'était même plus forcément du vin à partir du raisin, vous l'avez dit, mais qui s'est enfermé dans quelque chose qui est stabilisé et fixé un produit. Et donc, nier le fait qu'un terroir est quelque chose qui est en mouvement, qui est de la même façon que les cépages, ils ont circulé. Quand vous parlez des levures indigènes, elles se sont indigénéifiées, je ne sais pas comment le dire, vous voyez, mais elles sont devenues indigènes dans les échanges permanents et avec le temps. Le melon de Bourgogne, il n'est pas né ex nihilo dans le terroir qui est devenu le sien aujourd'hui et dans lequel il a développé certaines caractéristiques. Il vient d'ailleurs. Et c'est cette histoire de mouvement que je trouve intéressante qui, à un moment donné, pourrait
par ce besoin de commercialisation, se trouvaient un peu coincés, étriqués et fixés de façon obligatoire. Donc, j'imagine que cette liberté-là de chaque vigneron, ou revendiquée par les vignerons qui travaillent de cette façon-là, ne se trouvera pas à terme non plus, et de façon peut-être assez rapide, coincée aux entournures. Parce que dès qu'il y a des règles, il y en a toujours qui cherchent à les extraire. Je serais curieuse de savoir si ce genre de débat en matière de liberté de micro-entreprise, de travailler d'une certaine façon et de ne pas trop se trouver enfermé dans des règles, fait partie des questions qui sont soulevées avec cette difficulté qu'un vin est fait pour être commercialisé et donc à un moment donné identifié, vendu, etc. Non, mais des règles. Ils s'en donnent de très sévères, les vignerons qui revendiquent le mot nature. Simplement, elles rentrent sur un certain nombre de points en contradiction avec les règles dominantes de la production du vin. On a bien vu, quand on est passé, ça a mis très longtemps à se faire la réglementation européenne du vin bio. Je vous disais tout à l'heure que pendant très longtemps, il n'existait pas de vin bio, mais donc des vins issus de raisins de l'agriculture bio. Finalement, en 2012, l'Europe a réussi à bricoler une espèce de réglementation du vin bio. Ça a été très compliqué parce que c'est bien évident que les Allemands n'avaient pas les mêmes exigences que les Espagnols sur la question de l'acidification, sur la question du soufre, sur la question de la chaptalisation, parce que simplement, ils ne sont pas confrontés au même problème. Voilà. Donc, ça veut dire que cette réglementation, elle est extrêmement râle et pâquerette, extrêmement laxiste. En fait, ils ont inventé le vin bio de masse, c'est-à-dire, si j'étais grossier et méchant, donc je ne le ferais pas, mais c'est vraiment le vin bio de masse, voilà. C'est pas tout à fait le poulet aux hormones, mais on commence à en être pas loin. Alors, bon, donc, là où on a le droit à 120 mg de soufre, ils disent 100 mg. Bon, 100 mg, c'est mieux que 120. Mais quand on a dit ça, on a encore à peu près rien dit, quoi. Voilà. Pourquoi je disais ça? Oui, donc, des règles, les règles que se donnent les gens en vin nature sont évidemment les plus exigeantes de toutes les règles qui sont celles qui s'appliquent à tous les niveaux, y compris au niveau des vins bio au sens européen du terme. Et à plus forte raison, des vins de type conventionnel, soit conventionnel classique, soit le conventionnel amélioré, qu'on appelle l'agriculture raisonnée, qui est juste comme ça, baisser un peu les doses de ceci, baisser les doses de cela, mais qui ne change pas véritablement. Je ne dis pas que c'est mieux, moins c'est mieux que plus, bien sûr, mais ça ne change pas fondamentalement le problème. C'est juste, forcément, on a la capacité maintenant d'être extrêmement précis dans l'utilisation des produits, donc on est capable réellement, là où on mettait des doses peut-être exagérées tel ou tel produit à une époque, maintenant d'évaluer exactement le besoin dans la façon de penser de ces gens-là, de mettre la dose exacte. C'est seulement une question d'économie. Puis il n'empêche que la consommation de pesticides a encore augmenté en France, depuis d'ailleurs le truc qui disait qu'il allait falloir les baisser. Je vous rappelle que la France est le troisième pays pour les pesticides, après, excusez-nous du peu, les États-Unis et l'Inde. Je peux vous dire qu'eux, ils y vont fort. Et bien, la France est le troisième pays. Il faut dire qu'on a beaucoup de céréaliers et beaucoup de viticulteurs qui sont malheureusement, je suis désolé d'avoir à le dire, les deux professions agricoles qui utilisent, et de très loin, le plus de pesticides. Les doses qui sont relevées dans certains vins dépassent de façon considérable les doses autorisées dans l'eau. On parlait de l'eau de la ville tout à l'heure. Voilà, il y a une étude, s'appelait l'étude PAN, qui a montré ça, mais c'est des centaines de fois plus. Voilà. Sauf que on n'est pas obligé de. On n'est pas obligé de l'écrire sur l'étiquette. On n'est obligé à rien sur les étiquettes de vin.
Bah, c'est quand même le seul. Sur un pot de moutarde, c'est écrit le nom du conservateur. C'est d'ailleurs aussi un dérivé du soufre. Hein. Et il y a beaucoup. D'ailleurs, ça fait partie. Ça, les cornichons et les fruits secs et tout, le soufre, il y en a beaucoup. Mais c'est écrit sur l'étiquette, à condition de pouvoir déchiffrer leur langage. Hein. C'est E, 200, quelque chose, et tout ça, c'est des dérivés du soufre. Parce que j'ai été interpellé tout à l'heure, là, je peux me permettre de répondre. Tout d'abord, le marché des vins nature existe. C'est-à-dire qu'il se développe à l'étranger. C'est-à-dire on a fait des salons là et c'est clair que les exportations de vins nature sont importantes. C'est, en termes sociaux, c'est pas rien. Alors ici, c'est sûr que dans le Muscadet, on n'est pas tellement nombreux, mais il y a des zones très proches ici, c'est l'Anjou, où il y a des installations qui sont extrêmement importantes dans ce type de viticulture et qui est plutôt... plutôt florissante, quoi, qui est plutôt florissante en termes économiques. La deuxième chose, c'est le fait que quand on fait du vin tel que nous le faisons, nous sommes en contact avec du vivant. Et que les règles habituelles de gestion d'entreprise nous importent relativement peu. On est bien obligé de s'y conforter par rapport à la comptabilité, par rapport à un certain nombre de choses, par rapport au suivi de cam, je vous ai dit, etc., etc. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'accompagnement, c'est le milieu dans lequel nous sommes et qu'on va essayer de faire évoluer pour faire le vin tel qu'on va le ressentir. Nous sommes des paysans de la vigne. Et on ne va pas réagir par rapport au monde végétal à la manière d'un industriel, mais à la manière d'un paysan. Je crois que les paradigmes que vous avez soulevés tout à l'heure nous sont étrangers. Oui, il y a quelque chose qu'il faut rajouter, c'est que nous, on se donne les moyens pour arriver à notre fin. C'est-à-dire que s'il y a un problème de chaptalisation pour beaucoup pour arriver à ces 12 degrés, eh bien nous, les moyens qu'on va se donner, c'est qu'on va réduire le volume. Donc automatiquement, on va avoir une concentration beaucoup plus importante et on va arriver vite au degré. Et non seulement ça, c'est que rien ne nous empêche de ramasser en plusieurs fois, c'est-à-dire des raisins mûrs et non pas des raisins verts. C'est-à-dire que moi, je ne connais aucun arbre fruitier dans la région, que ce soit cerisier, pommier, ou fraisier, ou n'importe quel, qu'on ramasse tout dans la même journée. C'est-à-dire qu'on peut ramasser mûr, et à partir de là, on a quelque chose de propre, net, et donc sans intervention derrière. Ensuite de ça, les levures, c'est pareil, la même chose. Pour nous, c'est un élément tellement important qu'on en prend soin. Bien sûr, dans la vigne, c'est là où on va se donner les moyens, là aussi, de les garder. C'est-à-dire qu'on ne va surtout pas mettre de produits qui vont les supprimer, bien au contraire. Donc, ces barrières qui peuvent être vite tombées avec, les produits de substitution, c'est-à-dire qu'un vin bio, on peut mettre des chaptalisations en sucre bio, des levures bio, on peut tout substituer comme ça, mais si on veut faire nature, eh bien, à ce moment-là, on n'appelle que la nature. Je crois que c'est là la grande différence pour nous. L'aspect disons, commercial, c'est vrai, ce que disait Jacques Carroget, c'est que finalement, les vins nature se vendent mieux que ce qui se dit généralement, dans un contexte qu'il faut quand même rappeler, dans la production mondiale, 25% est invendu. C'est-à-dire que tous les 4 ans, on fout une récolte mondiale à la poubelle. Enfin, à la poubelle, c'est-à-dire qu'on le transforme pour faire, je ne sais pas quoi, de l'alcool pour enfin, voilà. Du vin qui n'est pas bu. Donc, il y a une surproduction mondiale ou une non-consommation, je ne sais pas, on le prend dans le sens qu'on veut. Donc, dans ce contexte qui n'est pas forcément très facile, vous savez, dans les grandes appellations françaises, grandes, enfin, je veux dire, autoproclamées, quoi, qui disent qu'elles sont grandes, donc, par exemple, le Bordelais, c'est plein à ras-bord partout. Ils ne savent plus quoi en faire. Voilà. Et donc, il y a une mévente. Et pas dans ce contexte-là, la vente des vins. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes volumes, hein, on est bien d'accord. D'abord, ce sont des plus petites entreprises, souvent, ces entreprises à taille humaine, c'est-à-dire que le vigneron travaille avec tout seul ou quelques personnes, enfin, voilà. Et
c'est pas des centaines d'hectares à perte de vue. Et puis d'autre part, c'est comme il a été dit, c'est aussi des rendements mesurés en fonction de critères de qualité du raisin et non pas en termes simplement de volume ou, selon la vieille expression du temps jadis, le degré hecto, puisque c'était le critère d'achat des caves coopératives et du négoce, degré hecto. Il n'y avait évidemment aucun critère de qualité là-dedans. Ça existe toujours, hein, de façon cachée. Je rappelle que la seule définition du Bordeaux supérieur par rapport au Bordeaux, c'est une question de degré. Ça n'a aucun, il n'y a aucun critère de qualité là-dedans. Pareil pour le Beaujolais, sauf que plus personne aujourd'hui revendique Beaujolais supérieur, parce que quand on fait un Beaujolais supérieur et qu'on a un Beaujolais de cours, c'est comme si on disait qu'il était inférieur, ils se sont rendus compte que c'était scier la branche sur laquelle on était assez maladroitement assis. Voilà. Donc, souvent il est dit, on entend souvent dire que ce genre de vin, selon la façon dont il est fait, on tendance à être un peu plus cher et que ça pose des problèmes. C'est loin d'être vrai dans la réalité pour ceux qui fréquentent véritablement ce milieu-là. Il peut y avoir, comme partout, des gens plus ou moins en difficulté, mais c'est voilà, comme partout, quoi. Ni plus ni moins.